Félix Thiolly était un homme libre, c'est un électron libre de la photographie. Il a fait une quantité phénoménale de photographies. À ce jour, sa famille recense 26 000 plaques photographiques et il a été méconnu en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que photographe, alors que tout le monde puise dans son livre du Forêt pittoresque pour récupérer ses images ou ses photos. Ces photos sont exploitées, mais on ne parle jamais de l'homme. Il a aimé fouler son sol pour photographier absolument tous les monuments, dit-on, remarquables du Forêt, mais aussi tous les paysages qui faisaient le Forêt, c'est-à-dire les étangs, les chemins, les villages, les arbres. Il ne passe jamais à côté de l'occasion de photographier un paysage. Donc il est paysagiste, mais il l'est avec son appareil de photo. Son objectif remplace sa main. C'est un forésien de cœur, au cœur du Forêt. Le fonds Félix Thiolly au musée d'Orsay est l'ensemble le plus riche et le plus représentatif qui soit conservé en collection publique, même si il est très bien représenté aussi au musée d'art moderne de Saint-Étienne. Il y a aussi d'autres épreuves dans d'autres collections françaises, notamment au musée des Chelettes. Ce fonds Thiolly du musée d'Orsay constitue le noyau de cette exposition qui, heureusement, a pu bénéficier de prêts très généreux, surtout de la famille, des héritiers de Félix Thiolly. Simplement retenir trois dates. Sa naissance 1842, sa mort 1914 et une date 1873 qui sera une année charnière dans sa vie et que nous allons beaucoup évoquer parce que c'est l'année où il va rencontrer un artiste célèbre, François-Auguste Ravier, et ça va changer complètement sa vision des choses. C'est ici même en 1994 qu'a eu lieu la toute première exposition consacrée aux photographies de Félix Thiolly, première exposition au monde, et celle-ci, qui vient presque 20 ans plus tard, est étoffée des relations qu'il a eues avec le peintre Ravier, qu'il considérait comme son maître. Donc la correspondance entre le photographe et le peintre va chanter tout autour de ces murs, parce que c'est la première fois que l'on met en évidence les rapports artistiques et intimes de ces deux hommes, qui ont été des artistes illustres et méconnus au XIXe siècle. Les conversations, bien sûr, entre ces deux artistes touchent aussi bien à la peinture, qu'au croquis, qu'à la photographie, mais avec les mêmes diktats de Ravier, la même exigence et une philosophie extraordinaire de ce qu'est un artiste. Ravier peint un étang, il n'y a aucun détail. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de joncs. Il n'y a qu'une atmosphère avec du ciel, un nuage suggéré et des touches brunes, une écriture du pinceau qui se fait très maîtrisée lorsqu'il veut signifier l'atmosphère. Et Félix Thiolly va toujours vouloir imiter ce talent qu'avait Ravier pour, avec très peu de choses, avec très peu de détails qui nuiraient à la photographie, un arbre, un peuplier sans feuilles, juste un chemin, un étang, quelques reflets. Donc c'est tout à fait symptomatique du petit rien et du peindre rien que Ravier a essayé d'inculquer à Félix Thiolly. Donc il va photographier à la fois son potager, des racines, des entrelacs de buissons, tout est bon à photographier et là enfin il se libère. Regardez, là il photographie son potager, l'image est tellement à contre-jour, tôt le matin, on a l'impression qu'il y a de la neige. En fait, il a photographié une clématite, j'imagine, buissonnante, et ces fleurs de neige que l'on voit ici. Il y a une atmosphère, et ça, l'atmosphère, eh bien, Thiolly a su la trouver. Toute la salle est une conversation, aussi bien qu'elle soit photographique ou graphique, parce qu'ici, nous avons une très belle œuvre graphique avec une aquarelle merveilleuse de François-Auguste Ravier, et répondent à cette œuvre, deux autres œuvres de Félix Thiolly qui sont aussi des étangs du Forêt, avec une belle mise en page de joncs qui servent de repoussoir. Et c'est une phrase qu'il va écrire à son ami Thiolly, il va dire
Pensez, quand vous peignez ou vous photographiez un étang, à vous mettre sur le bord, qu'il y ait toujours un premier plan qui serve de repoussoir. Lorsqu'il peint les bords de la Loire, ici nous sommes vers Saint-Victor, eh bien, nous avons aussi une belle construction en diagonale. On pourrait voir deux diagonales qui se croisent et au beau milieu, la Loire, une barque, même un petit personnage caché derrière. On est vraiment dans la construction classique des peintres barbizoniens. Là, ce sont plutôt les ciels qui sont mis en scène. Et la capture du ciel, au bon moment, est aussi à la fois le fruit du hasard et à la fois l'opportunité de photographier un beau ciel. Ici, nous avons une image extrêmement construite. Alors, on a un vrai tableau. L'arbre vertical barre l'image. Et si on réduit l'image à ceci, eh bien, nous avons parfaitement les deux diagonales qui se croisent au milieu et le premier plan, qui est un premier plan avec ces joncs que Ravier aime tant, qui structurent l'image du foncé, du clair, du lumineux, du vaporeux. Tout parle dans cette image. Regardez le contre-jour de Ravier. Lorsqu'il peint trois fois rien, des peupliers au coucher de soleil, vous allez voir ce contraste. Et Thiollier veut absolument capturer les mêmes effets contrastants. Donc ici, un contraste aussi lumineux entre la lumière et les arbres morts. Tout ce panneau est une vérification de tout ça. Donc Ravier a été vraiment le maître de Thiollier. Il a dessillé les yeux de Thiollier. Il a essayé de le rendre léger, de lui faire voir les petites choses que personne ne voit. Et l'artiste, qui voit mieux que les autres, comme disait Bergson, a su s'élever au contact de Ravier. Lorsqu'il l'invite à Morestel pour venir le voir, il lui dit « Venez, nous ferons de la photographie tableau, nous photographiquerons et nous croquaillerons ensemble dans la nature. » C'est la révolution industrielle à Saint-Étienne, hein. C'est, tout bouge, le textile, les armes, les cycles, Manu France explose, Étienne Mimard, le casino, il y a des grandes choses qui se passent à Saint-Étienne et donc voilà, la mine en fait partie. Et il va aller systématiquement photographier toutes les mines de la Loire et ça donne des photos 100 ans plus tard extraordinaires parce que ce sont des photos industrielles qui ont un souffle incroyable. Ce ne sont pas des fleurs, ce ne sont pas des arbres, ce n'est pas beau. Eh bien, il a su trouver la beauté au cœur de ces fumées qui crachent noires, de ces gueules noires. Son regard sur les gens, qui ne sont pas du tout de son monde, eh bien, on voit qu'il les côtoie parce que dans chaque photo, vous verrez que quelqu'un regarde le photographe. Et nous voyons bien qu'ici, il n'y a pas du tout de regard misérabiliste sur la condition ouvrière. Il n'y a pas de regard à la Zola. Il n'y a pas de côté voyeur. Mais au contraire, il va aimer les gens qu'il rencontre, qu'ils soient dans l'industrie ou celle-ci très attachante et très émouvante sur la mine. Peintre, dessinateur, graveur, photographe, son œuvre de publiciste est considérable parce qu'après La Bâtie d'Urfé, donc son premier livre, il va faire à peu près 51 ouvrages. Et il aura toujours cette dualité entre la photographie et le dessin ou la peinture.